La première chose à laquelle je pense quand je pense à Luigi, c'est la première fois que je l'ai vu. Il était sélectionné, il s'était qualifié pour la première finale des boss. On peut dire que l'aventure boss et GG Poker a changé ta vie pokeristique. Ouais, clairement, on peut le dire. J'aime bien arriver un petit peu plus tôt, ça me permet d'éviter de faire la file. Puis je peux aussi boire un petit verre et prendre la température dans le casino avant d'entamer le tournoi. Ah ouais, tu fais ta petite vidéo? C'est la première fois de ma vie que j'ai eu un gros bisou pour toi. Ouais. Ça va, comme ça va? Ça fait quoi le main event? Ouais. Allez. Alors? Ça va? Belle petite vue avant de commencer un tournoi. Ouais, c'est un très beau casino. Bien placé. On a parlé un peu avec le poteau Sébastien. Oui. Ça t'inspire? Bah écoute, On s'est rencontrés lors d'une soirée. Une soirée où je vais chaque année depuis que je suis petite avec mes parents. D'ailleurs, cette soirée s'appelle le bal de la Saint-Nicolas. J'y allais avec mes collègues cette année-là et mes parents. Luigi était garçon de café. C'était une soirée un peu arrosée. C'est lui qui me servait mes verres. Et au fur et à mesure de la soirée, je l'ai un peu remarqué. Je l'ai un petit peu dragouillé. Ensuite, on a décidé de se recontacter pour ne plus jamais se quitter. Bonjour. Est-ce qu'on peut s'inscrire pour le main event? Oui, bien sûr. Quelle table? Table 19, si elle jouait. Ça doit être mon 5e ou 6e festival que je joue ici à Namur depuis que j'ai commencé le poker. C'est toujours excitant de venir jouer dans cette salle. C'est un tournoi à 250 000 euros. Je suis clairement chaud en découdre. Début dans 52 minutes. Salut. Hello. C'est bon. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Alors, prêt pour le tournoi? Très bon. En forme? Moi, ça fait presque 2 mois que j'ai pas joué. Ouais. Oui. Elle est enfin sortie de la maison. Du coup, c'est mon one time alors. Désolé pour toi. La première fois, c'est réservé. À ta femme? Non, moi. Ce qui vous amènera à une fin de tournoi vers minuit pour les plus chanceux. Vous aurez aussi un dinner break à 20h après le 9e niveau, qui est aussi le dernier niveau pour s'enregistrer. Et nous allons démarrer sur le premier niveau de la journée, 100-200. First level of the day, 100-200, big line of the 200, leader's keys, shuffle. Et c'est parti pour 14 niveaux de 30 minutes. Je sais que la journée va être longue. Mais je me sens bien, je suis assez concentré et prêt à monter une tonne pour aller au D2. Je suis dans un coup en bataille de blind où je décide d'open 3x As-Roi off. La big blind défend et le flop vient 8-4-2 avec 2 carreaux. J'ai l'as de carreau, je décide de c-bet. La big blind call. La turn améliore ma main puisque c'est un 10 de carreau. Donc je suis parti pour deuxième barrel et la big blind call à nouveau.
La river est un 7 de trèfle qui ne fait pas rentrer ma flush. Mais j'ai quand même blocker nuts. Donc je décide de troisième barrel. Environ 60% du pot, je crois. Et la big blind décide de call à nouveau pour me montrer valet valet. Allez, c'est pas grave, on se reconcentre à nouveau. Un petit pot de perdu, c'est pas la fin du monde. Next. Alors, ce début de partie? Pas trop mal. Pas trop mal, j'ai 60. Allez, on continue. Ouais. Allez, pas mal. Dans 40 minutes, c'est la première pause. Ça va faire du bien. Ouais. Ok. Ouais, ça va être bien. Les croupiers du Mélène Bayern 1, une fois du monde pour terminer. Vous envoyez vos joueurs pour 30 minutes de pause. Je peux nous prendre en photo à deux, Damien, mais après. Vous êtes un peu collègues aujourd'hui, hein? Ouais. Après, en plus, ils veulent aller dans un club, et je sais pas quoi, un club échangiste, un peu comme ça, tu m'as dit. Pour fêter ça. Dis pas ça qui dit. Elle va nous croire. Bah, c'est elle qui a demandé en premier, en fait. Ça va, t'es bien parti? Ouais, j'ai 80, je pense, un peu moins. J'ai eu un spot où je fais un peu la merde. En fait, j'open deux valets. Ouais, déjà... J'ai deux payeurs. Déjà, c'est de la merde. Mais... J'ai deux payeurs et le flop c'est As-6-2. Donc je sais bet, il y en a un qui call, l'autre call. Et la turn c'est un valet de pique. Donc là je deux barrels, ouais. Il paye encore, ouais. Et je veux que je check. Tu sais qu'il a l'as. Ben ouais. Il va en peut-être fait, pas value un petit as en plus. Tu peux value, en fait ça vient flush draw. Au flop ça vient flush draw. La turn c'est valet de pique. Et je me dis, s'il m'a payé avec un flush draw. Peut-être, et que ouais. Je check River, ouais. Ouais. Il va transformer en bluff. Tu ouais, vois. C'est sûr. Et c'est ce que je me suis dit. Et là, tu raises. En et fait, là, il va value tous ses beaux as, tous ses deux paires. C'est peut-être qu'il va partir en bluff avec les flush draw low prix. Je sais pas si moi je vais de ça, en vrai. Ouais, j'ai un peu tenté. Le mec, il me dit. Soit tu bêtes pour qu'il te paye classe, soit tu le laisses bluffer sur le flush draw low prix. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ça fait du bien de pouvoir parler avec des amis pendant la pause. On discute de coups un peu compliqués, on rigole et ça détend avant la reprise. Allez, c'est reparti, on replonge dans l'action. Encore 4 niveaux à jouer avant le dinner break. Je vois pas énormément de mains, mais je reste concentré sur mes objectifs. Et la patience est une vertu dans ce jeu. Madame, à bust. Je bust. Ouais, je fais un gros coup, paire de 9, donc je fais blanc 9 contre 15, un valet. Ensuite, il me reste 13 bébés. Il y a un mec qui limp, je chauffe, as 10. Il call et la dame 10. C'est un 30. Ah oui, la dame. Et vous terminez la rencontre et vous êtes en vrai 75 minutes. Finition N. Ça va être phrase de choix. Et alors là, beau petit stack. Ça fait combien ça? 218. 218, c'est bien ça. Tu vas nous expliquer tous tes coups. Hein. Ouais. On va manger là. En fait, j'en ai eu que deux très importants qui m'ont fait doubler direct. Sinon, des petits spots où je prends 2-3 000, où je perds 2-3 000, tu vois. Mais deux gros spots qui m'ont fait... Allez, deuxième pause alors, hein. On est parti. La caméra, je voudrais te faire un mission. Tu peux la faire devant la caméra. Hein. Le gars, il a 218 000. T'as 218 000, c'est bon ça. Ouais. Quoi, t'as eu les as ou les rois ou des choses comme ça? J'ai eu deux valets chez vous. Sur dame valet. Le mec il a dame valet. Le gars il est à ma table, il m'a raconté le coup. Ouais. Il me dit ouais, je suis bust. Le gars il avait les valets, j'avais dame valet, il y avait dame valet sur le bord. Il est à ma table, il est juste en face de moi. Ouais. Donc je monte 140, je redescends à 115, et puis je défends 3 et 4 suites en grosse blinde. Le flop c'est 5-7-2, c'est better 7K, call au bouton 7K, je paye 7K, turn as de trèfle, j'ai nuts plus tirage couleur maintenant, check du gars, bouton 15K, 45K chez moi, c'est better fold, bouton all-in 80. Wow. Et il avait quoi? As 5 de cœur, de paix. Le restaurant du casino est vraiment top, on y mange très bien. Ça va faire du bien de se restaurer avant les 4 derniers niveaux de la journée. Allez, c'est cool, j'ai un gros stack, je suis content.
Ta table, comment elle est? Le vieux du tout début buzz. Moi j'en ai buzz 2. Donc il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, dont un à ma gauche qui avait un gros stack. Genre il avait 150k. Maintenant j'ai plus que lui, mais il est quand même dangereux sur de pause, donc je ne vais pas trop faire le fou. À part ça, rien de polichon. Il y a un mec à ma droite très sympa, un petit joueur. Et ça va plutôt serré. Il a les papiers quand il le prend. À part ça, RAS. Hein. Où ça va être bon ça? Pensez-vous. Ouais. Ça s'entend. Allez, le dis, hein, le roi de cœur. Et donc, c'est quoi le principe, monsieur? Roi de cœur. Si il chope le roi de cœur, l'addition est remboursée en crédit de jeu. Ici ou plus loin ou... Bah, c'est toi qui choisis. Hein. Faut y aller, franco. Si tu me sors le roi de cœur, je fais accumuler. Oh, poteau, le 8 de cœur. On était loin, ouais. Luigi, bien joué. Bien essayé. Bon, c'est quoi ta stratégie alors là, la reprise? Bah, la même qu'au début. Hein. On va jouer des spots faciles. Qui se présentent, faciles. Ouais. On va essayer de monter 2 000. The registrations are now closed. Les enregistrements sont terminés. Dealers, if you have 2 players or more, please restock to deal. Ah, j'ai été déplacé. Je suis un peu deg, je l'aimais bien cette première table. Bon, c'est pas grave, on va se reconcentrer et analyser tous les profils. J'espère pouvoir y passer un bon moment. Il vient de se passer une dinguerie à ma table. As-roi off contre As-roi suité contre 2 dames. Et As-roi suité fait flush pour triple up. Et un nouveau changement de table. J'espère que ce sera le dernier de la soirée. J'arrive à la table de Rico cette fois, mon collègue du week-end. Troisième et dernier break de la journée, j'ai 200k. On jouera encore le niveau 2000, 5000 et 3000, 6000 avant d'emballer des jetons en direction le D2. Allez, on continue de gagner des petits pots. Ils font plaisir ceux-là, surtout pour la confiance. La dernière main de la journée est juste folle. On se retrouve à 4 way dans un pot limpé où j'ai paire de 3. Et le flop vient 9, 10, valet, tout à trèfle. Tout le monde check, la turn est une dame. Tout le monde check, la river est une brique. Tout le monde check à nouveau. Et ma paire de 3 gagne à l'abattage. Je n'en croyais pas mes yeux. Il gagne. Oh, incroyable, bien joué. Tu as combien ça? 274. Ah, c'est beau, bien joué, bravo. Qu'est-ce qu'il veut se couler? Ça y est, on a emballé des jetons. Travail est accompli. Travail est accompli, suite de l'aventure, vendredi. Ouais. Alors, comment tu te sens? Plutôt chaud. Et je pense que Luigi, s'il prend la première place, il saute. Hein. Il saute. Moi, je saute. Pas de chance, les amis. On est à 3 left. Il y a des gens très chauds. Ouais.